Allez, en route. Bon, moi je vais jeter un coup d'œil pour ça dans les carnets. Moi je serais toi, je ferais pas ça. Ça va, j'en ai pour 5 minutes. Putain, faut toujours qu'il en fasse qu'à sa tête. T'as raison, vaut mieux rester groupé. Là tu vois, c'était pas la peine de s'affoler, de me pourrir toute ma banquette. Ça va, c'est que de l'eau. Non, pour l'instant c'est encore de la neige. Et la neige justement, ça laisse des traces. Oui, bah je te la nettoierai ta bagnole, ok? Ah ouais, avec quoi tu vas me la nettoyer? Eh, ça va, j'ai dit que je la nettoierai, je te la nettoierai, ok? Pourquoi tu prends pour monsieur propre? Ça va, vas-y. Allez, en route. Tu sais skier? Non, mais par contre, je sais conduire. Et alors, t'as peur en forêt? Non, mais j'ai peur en voiture. Tu fais quoi là, Daniel? Ben, je crois que maintenant, là, je peux remettre les pneus. Ça y est, on a repéré l'hélicoptère! Préparez-vous! Chef, vous êtes vraiment sûr que... Ah, mon petit Alain, j'ai vérifié moi-même tout mon matériel cette fois-ci. Tout se passera bien. Ok, c'est parti, les petits gars! Alors, attendez-moi ! Ça doit être la sangle ! Elle est trop courte ! Bien sûr que c'est la sangle qui est trop courte. Eh, vous avez pas coupé la sangle ? Tu vas voir, je vais me gêner. Voilà. Attendez-moi! Et maintenant, nous attendons Hans Gerhardt, l'Autrichien dans l'air d'arrivée, le numéro 10, très en forme à l'heure actuelle. Mais t'es sûr que c'est la bonne route, là? À mon avis, si on suit les protons rouges et bleus, on est bon. Après Kitzbühel, aujourd'hui, sur cette piste olympique de Val d'Isère, on ne voit pas qui pourrait contester sa suprématie. Il a pulvérisé tous les temps intermédiaires. Il aura littéralement survolé ce championnat du monde. La victoire ne semble plus pouvoir lui échapper. Oh ben si. C'est un taxi qui l'emporte d'une courte tête.